de retour. Ah oui, Tata est de retour à la baraque. Vous reconnaissez le l'arrière. Ah ouais, sweet home. Home, sweet home. 1er janvier. J'y suis arrivée. Eh, je suis sur les rotules. Merde. Oh, le pédalage de 2020 là. Ah, chouette, tout god. C'est une année que je ne vais pas vraiment garder dans les annales des bonnes choses de ma vie, hein. 2000. Et je tourne. Non, 2020 n'est pas parti avec tous ces cons. Oh mince. Pourtant, c'était ma prière. J'ai prié fort. Hein? J'ai prié fort. Moi qui ne prie pas souvent, mais quand je prie, je me dis que pour l'ensemble de mon œuvre seulement, il faudrait qu'un bon Dieu écoute, un des multiples bons Dieux là. Mais je me réveille, le premier me dit qu'il y a toujours, nous sommes toujours aussi curieux. Ah ouais, moi comprise. Hein? Donc, allez, étant donné que 2020 n'est pas parti avec toute notre connerie, ben, nous allons recommencer à courir. Quand moi le chat, miaou! Eh ben, apparemment, t'es toujours aussi con, hein? Ah ouais. Comme quoi nous ne sommes pas de bons Beaujolais. Nous vieillissons comme des Beaujolais. Nous ne sommes pas des Bordeaux. Oui, en vieillissant, le Beaujolais a tendance à se transformer en vinaigre. Imbuvable. Ah ouais. On a toujours pensé que l'homme finissait par être plus intelligent à sa mort qu'à naissant. Mais non. Qu'à moi le chat. Tu veux que je te gère pour de vrai? définition de cotorep, s'il te plaît. Vous êtes out, je vous l'ai déjà dit. Ben, j'ai lui dit que tu as fait une direct cette nuit que tu as effacé. Ben, moi, j'ai pas besoin de j'arrive déjà pas à t'écouter. Donc, ça peut te dire que je ne serais même pas allé, hein? On m'aurait peut-être donné le time code. Qu'à moi le chat. De toi à moi. Qui a l'air d'être plus dérangé que l'autre? Hein? Qu'à moi le chat. De toi à moi. Définition de cotorep. Vous sortez même souvent des choses, on sent des personnes qui n'ont pas de mise à jour. Ah, des personnes qui n'ont pas de mise à jour. Définition de cotorep. Tu sais ce que la cotorep fait? Et c'est parce que les Occidentaux sont fous qu'ils ont créé tout ça. Hein? Vous voulez un meilleur Cameroun, mais vous-même, vous ne savez pas. Le pilote ne sait pas où va l'avion. Demandez à l'avion qui m'entraîne. Je vous ai déjà dit que vous êtes out en matière de combat. Et je le redis à nos frères aujourd'hui. Nos frères qui disent là que quand moi le chat grand combattant, il n'y a grand combattant, tout ce beau monde là, c'est que vous-même, vous ne savez pas dans quoi nous sommes trempés. Vous ne savez pas. Oui. Pour ceux qui disent, franchement, de vous à moi. De toi à moi d'ailleurs, pourquoi de vous à moi? Quand moi, tu as déjà initié quoi dans ce combat-ci? De congrès, à part le bavardage. À part les relents d'un sniff. Tu as déjà eu à mettre quoi en place? Moi, étant ici chez moi, je produis. Même les actions sur le terrain. Quand moi, toi là, sors-nous une vidéo où tu es dans l'action, pas dans le bavardage que Pomba doit partir. Hein. Non, nous tous, ça on excelle tous. Hein. Quand il faut changer que Pomba must go, oula, nous excellons tous, 20 sur 20, 21 même. Mais action que tu prends le coquille que qui te sert de cervelle là, tu poses ça comme ça, tu prends une idée, tu la développes. Hein, I swear to God, je quitte le combat. Mon corps, si je finis dans le run avec. Donc, quand il y a des personnes qui connaissent les tenants et les aboutissants, quand ces personnes-là parlent, vous sortez d'où? De vous à moi. Comme nous vous avons laissé faire là pendant longtemps, vous vous êtes dit que c'est parce que nous étions des Doumkov. Mais c'est parce qu'il y avait une partie de nos frères qui disaient, oh, il faut faire ensemble, il faut faire. Nous avons essayé de faire ensemble, ça part waka. Vous êtes out. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Et c'est pour cela que vous avez les boules. Parce que le combat qui donne les résultats, vous êtes à 1000 ans. Ça fait un an que vous n'êtes... Quel un an? Vous n'avez même jamais été dans le combat. Vous n'avez jamais été dans le combat. Pour preuve, on a réussi à vous en sortir. Vous êtes revenu, c'est à cause, je redis, c'est de quel temps que vous êtes revenu dans le combat. Vous étiez il y a dehors.
Ça veut dire que ce combat-là même, vous ne le portiez pas. Et vous êtes revenu avec votre bordel, pensant que le combat, c'est... Dire que Pomba est mort à 2h du matin et se retrouver avec 10 000 personnes, tu te dis que toi aussi, tu es un combattant. Et je m'adresse à l'ensemble de des Camerounais qui mettent leurs écrans-ci à 2h du matin pour écouter une personne qui a 10 joints dans le nez et je ne sais pas combien de bouteilles de whisky dans l'estomac. Ce sont ceux qui ne veulent pas que ce Cameroun change qui vont chez Kamoua le chat. Parce que quand ton cerveau est normalement constitué, tu ne peux pas suivre Kamoua le chat. Il tricote le cerveau. Il tricote le cerveau. Donc, Kamoua le chat, je suis Kotoreb, je suis tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de réfléchir, je tiens encore la route. Malgré tout ce que je bois comme cachet, je tiens encore la route. Je suis tout ce que vous voulez là. Mais en matière de production, je tiens encore un tout petit peu. C'est pour cela d'ailleurs que je suis Kotoreb. Hein. Ah oui, 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 c'est pour que je sois à égalité avec des petits cons comme vous qui n'avaient aucun handicap et qui vous conduisaient comme tels des animaux. Comment le chat? Toi, tu n'es pas Kotoreb. Mais qu'est-ce que tu fais de concret de ta vie? À part vouloir tuer le voisin, tu fais quoi? Toi, tu n'es pas Kotoreb. Hein. Tu devrais exceller. Dans ce combat, tu devrais exceller, mais c'est moi qui pousse, je pousse plus ma carcasse que tu ne pousses ton corps en bon état. Hmm? Pour les sorciers qui veulent encore faire avec vous là, c'est eux qui voient. Mais vous ne pouvez pas être chez Kamoua le chat et être dit là que vous soutenez Calibri, c'est Calibri vraiment le combat, il ne faut pas qu'il quitte le combat. Max, c'est vraiment si vous quittez le combat, j'ai été sur le terrain. Max n'est pas là, Calibri n'est pas là. Nos frères sont perdus. Parce que ce sont des boussoles. Si nous allons tous chercher à manger là, si Calibri va chercher à manger, Max est avec. Sandy est avec, c'est fini. La marche là se disperse. Kamoua le chat, dis-moi où est-ce que tu arrives à tenir les troupes. Hmm? Dis-moi où est-ce que tu arrives à tenir des troupes, à part des histoires de beuverie, des histoires de cul et tout. Tu arrives à tenir où? Et encore même là-bas. Et encore même là-bas. Toi qui es sain, hein? Toi qui n'as pas de handicap, toi qui es censé avoir toute ta cervelle, tous tes moyens, tu es grand, tu es beau. Hein? Tu fais grimper au rideau. Dans ta chaîne de vie, là. Hmm? Regarde un peu mes jeunes frères avec lesquels je combats, là. Tu as déjà vu leur sextape quelque part? Hmm? Est-ce que tu as déjà vu leur sextape quelque part? Tu auras bonnié. Il y en a qui ont dit que c'était toi. Tu auras bonnié. Il faudra que tu nous trouves un expert pour dire que c'était... Voilà d'où tu sors. Oui, le combat a sorti beaucoup de Camerounais de leur fausse sceptique. Au lieu qu'ils en profitent pour s'acheter une virginité... Vous avez voulu ramener le combat hein, de l'endroit d'où on vous avait sorti. Kamoua, les endroits que je ne fréquente pas, ce sont les endroits que tu fréquentes. Moi, si à Lyon, si on t'a dit comment il y a vu dans l'Enganda, on me voit souvent dans l'Enganda. Peut-être une fois tous les 10 ans, parce que je suis à des frais. Hein? Je suis tout ce que tu veux cotorer pour... Des choses qui n'existent même plus, sauf dans ta tête. Je suis tout ce que tu veux. Je suis... comment ça? MDPA. Je suis tout ce que tu veux. Mais je tiens la route. Là est la différence entre vous qui pensez être ce que vous n'êtes pas et nous qui ne mettons pas en avant ce que nous sommes. Oui. Pas besoin de me vanter ici. Je pose un acte, je tourne le dos. Nous n'additionnons pas. Parce que si vous étiez à nos places, nous qui faisons des choses là, les gens ne respireraient pas. Les gens ne... Vous savez, ce serait du genre, vous demandez aux Camerounais de se coucher comme ça, vous marchez sur eux. Vous là. Toutes les campagnes que certains combattants se battent à lancer ici, vous avez déjà mis ne serait-ce que 10 francs pour qu'une bouteille d'eau soit achetée aux prisonniers au 237. Hmm? Ou bien parce que des personnes du même acabit que vous passent le temps à vous dire que vous êtes beau. Vous êtes de grands combattants. De grands combattants dans quoi? Dans zéro.
Vous avez déjà vu le premier à envier le dernier de la classe. Hein, comment? Je le vis avec les premiers. Pourquoi tu veux que je me retourne sur toi? Tu n'existes pas. C'est pour te remettre à ta place que je prononce ce qui tient de nom. Ce qui nous tient de nom. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on écrit ton nom, si c'est ton vrai nom. Hein, comme moi le chat. Tu auras beau te débattre avec tous les démons qui t'entourent là. Vous êtes out. Out de chez out. Je le dis aujourd'hui. Je vous ai souvent dit ça d'ailleurs, mais vous n'écoutez pas. Le combat a pris un autre virage depuis. Beaucoup de personnes sont tombées des trains. Et c'est à vous de les faire taire. Maintenant, si vous voulez continuer à animer la galerie, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Je ne sais pas de combien de crises vous avez besoin. Vous avez besoin de combien de crises? Même dans le combat, vous voulez nous apporter l'esprit des Biamerounais. Vous voulez nous apporter l'esprit des Biamerounais. Ça veut dire qu'on te gifle, on te gifle, tu tombes dans le même trou. 10 fois, 20 fois, 30 fois, tu es là, tu ne réagis pas. Nous voyons comment est-ce que le Cameroun est pillé, l'argent est détourné, les Camerounais sont là, ils ne réagissent pas. Et dans le combat, c'est la même chose. Nous voyons toujours les mêmes foutre le sou, les mêmes voler, le travail d'autres personnes. Mais oh, ce sont des gros combattants qui agissent tels, qui sont des parasites. Donc c'est l'esprit là que vous voulez nous amener ici. Ah non, non, moi j'ampute désormais, hein. J'ampute. Détester, moi j'en ai strictement rien à foutre. Je vous ai dit que j'en ai deux ici. Quand je veux qu'on me déteste, j'appuie seulement. Vous voulez qu'une me déteste là dans la seconde. J'entre seulement dans sa chambre. Tous les noms d'oiseaux qui vont sortir de là. Je dis que la bougresse là, je l'ai portée 9 mois. J'ai envoyé d'ail. Tu regardes comme ça, tu dis, vraiment, hein. Il y a des pays qui sauvent les mounas ici. Parce que celle-là, j'aurais encastré. Mais toi que je ne connais même pas là. Est-ce que je vais gérer tes états d'âme? Je vais gérer tes états d'âme. Nous voulons d'un nouveau Cameroun. Nous voulons d'un Cameroun. Nous parlons d'inclusion tous les jours. Kopomba doit inclure tous les Camerounais dans la démarche qui n'a même pas encore commencé. Mais vous ici, vous moquez de ceux qui sont dans les sociétés dans lesquelles il y a l'inclusion. Ah ouais, il y a des crises qui servent beaucoup. Hein. Beaucoup de nos frères n'ouvrent pas les oreilles. Ah, il y a des crises qui ont permis, qui m'ont fait comprendre qui est vraiment le Camerounais. Oui. Notre pays est à notre image. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Ce n'est pas de la faute des Occidentaux, c'est nous. Notre génération est gâtée. Nous, là, c'est mort. Nos parents, c'est mort. Nous, c'est mort. Parce que quand vous avez des imbéciles, quand moi, à quel âge? Plus de 40 ans. Le gars te tient. C'est-à-dire, même au CP, les enfants sont plus sensés que cette espèce de coquille vide, là. Même au CP. Dès qu'ils ont un verre dans le nez, ils sortent tout et n'importe quoi. Mais ces imbéciles-là, quand vous les voyez sobres, hein, c'est limite s'ils se couchent pas, marcher sur eux. Mais oh, le 31, là, c'était une nuit de beuverie. Il a eu un peu de courage, comme d'habitude. Parce que quand il est sobre, non. Non, non. C'est limite s'il ne baise pas la main à Calibri. Oh, gros, grand combattant. Grand combattant, feu-moi, comme dit souvent mon Maxou. Quel grand combattant. C'est terminé. Il n'y a plus de faux semblants. Il n'y a même plus d'efforts. Nous ne faisons même plus d'efforts. Nous ne pouvons pas travailler ensemble. C'est comme ça. C'est consommé. Faites votre combat. Ne nous gérez pas. Nous ne vous gérons pas. Nous n'allons pas vous gérer. Mais dès lors que vous faites les troubles, vous venez jouer au diable de Tasmanie, dans notre démarche. Moi, je vous prends en charge. Je vous prends en charge. Quand vous êtes dans le aide-moi à détester, des personnes qui ne se supportaient pas hier, nous voyons toutes ces femmes-là avec leur frustration du triangle des Bermudes. Oui. Quand moi, grand combattant, grande combattante, dans zéro. Dans zéro. Bien, c'est parce que nous vous laissons souvent faire. On se dit que, ah, si ça peut leur mettre du baume au cœur, on avance. Les grands combattants. Il y a des grands combattants. Le grand combattant sera celui qui ira nous dégommer le régime de Yaoundé. Comme vous êtes toujours là dans les grands qualificatifs. Je n'ai jamais vu un peuple comme le peuple camerounais qui adore les superlatifs. Et
avec les grands titres ronflants, comme on disait quand nous étions jeunes, des grands titres ronflants qui ne servent monsieur un tel, son honorable un tel, son grand honorable un tel, son honorablissime un tel, son excellence un tel. Mais on regarde l'état du pays, zéro. Ici, vous entendez son excellence, monsieur Macron. Est-ce que vous entendez son excellence, monsieur Macron, ici dehors? Mais les gars luttent pour que le peuple reste debout. Pendant que ici ils luttent pour que le peuple reste debout. Quitte à tuer même les voisins éloignés là. Vous, vous êtes là, vous vous entretuez. Je demande, c'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Vous êtes toujours dans les coups bas. Et les chercheuses de Mario, et les chercheuses, et les chercheurs de FAMO. Tout ça dans le combat, waouh. Mais vous ne vous dites pas qu'une fois notre pays libéré, on pourra se mélanger seulement le feu sort. Hein? Il y a plus de femmes que d'hommes au Cameroun. Vous allez pouvoir être polygame. Vous ne vous êtes pas dit ça. Retroussons nos manches là. En 2021, vroup, au sol, le régime de Yaoundé. Il y a plus de femmes. Moi, ils m'étaient arrêté à moitié-moitié. C'est pour ça que je disais à l'autre trouble fête de Betty le Camille que tu parles de polygamie. Quand un homme va aller prendre la femme destinée à son frère, n'est-ce pas, ça va créer un problème. Mais on nous dit même maintenant qu'il y a même plus d'hommes. Betty le Camille, vous pouvez être polygame, I swear to God. Oui, Betty le Camille, I swear to God. Moi-même là, j'applique que il faut être polygame puisque nous avons désormais plus de femmes que d'hommes au Cameroun. Et pourtant, nous ne comptons pas. Et oui, quand tu vas voir les postes là-bas, nous autres, nous sommes seulement là pour pondre des enfants et pour servir de trou de vidange. Vous ne vous êtes pas dit que vous allez combattre jusqu'à ceux qui ont le feu aux fesses là auront l'effet contraire de l'extinction de la chose. Et, mais c'est dans le combat que vous venez vous marier. Ah, maman. C'est dans le combat que vous venez draguer. Jusqu'à vouloir salir mes fistons. Je répète ici que la fille au ralenti. Mon Maxou ne t'a jamais yamo. Il ne te yamo. Et qui est? Si il y a des certitudes que j'ai dans ce combat. Mon Maxou, son cœur est verrouillé depuis. Donc, quittez derrière les problèmes. Quand je dis verrouillé, j'ai un verrouillage là. Hey, maman. Vous avez déjà vu un Dibo qui a le sucre, qui est... Mon Maxou ne vous voit pas depuis là. Mon Maxou éteint son cerveau. Donc, tu n'as pas vu à Bruxelles qu'il éteignait son cerveau. Quand ce n'est plus le combat là, il éteint vous. On vous a dit qu'il fait la familiarité comme ça. Non. Du tout. Tu as essayé à l'unisson. Nous ne sommes pas entendus. Mon Maxou, lui, ne fait pas le Congo ça. Il éteint son cerveau, si je vous le dis. Quand tu apprends le Congo, ça là, il est n'est plus avec toi. Pourtant, vous êtes assis au même endroit. Comment ça? Tu parles seul. À l'unisson, on t'avait dit que quitte derrière les problèmes. Donc, si toi aussi, tu veux entrer dans le troupeau des frustrés du triangle des Bermudes qui n'ont pas pu voir le caleçon de mon fils, toi, tu es mort en guerre. Parce que toi, je te connais, je vais te frapper, je vais te cabosser. On va encore te dire un jour de poser ton jansan qui te fait croire que tu es belle là, en public, tu ne vas pas pouvoir. Tu ne vas pas, j'ai ta vie. Tu n'as pas, le gars n'a pas pu te yamo, c'est comme ça. Il n'a pas pu te, là, ma main si elle coupe ça, elle met ça là comme ça. Tu m'apportes la preuve. Comme mon Maxou t'a look autrement qu'une combattante. Ah, chouette, God, on me coupe une main. On me coupe une main. J'ai la certitude. Je suis même encore plus sûr de ça, que de ce qui se passe dans ma propre vie. Il n'a pas pu te yamo. Pas du tout. Lui, tu n'es pas son genre. Comme vous aimez souvent quand ça, on tombe sur vous, tu n'es pas, tu es intelligente. Vous savez ce que c'est une femme. Attendez seulement. Vous pensez que vous êtes déjà au bord du suicide. Vous n'avez pas encore été... Vous n'êtes pas encore au bord du suicide. Oui. Mon Maxou, son cœur appartient à une femme. Une vraie deux. Hein? La fille au ralenti.
ton plan là. Et en plus, quand on est bête, on est bête. On t'a vu arriver mille lieues à la ronde. Et mille lieues. Une seconde, j'étais frappée, elle dit que viens pas miauler ici. Il n'y a pas où miauler ici. Tu viens miauler et tu fais courir le bruit comme quoi, Iteyamo. Tu as même la chance que le gars ne soit même plus dans l'hexagone. Il allait venir te porter comme ça. C'est là où tu allais comprendre que tu ne tiens pas. Le gars allait te porter comme ça, dit que regarde-moi dans les yeux, tu me dis où Iteyamo. Si vous voulez remuer votre merde là, allez loin du combat avec. Il y a des endroits où on s'échange de gars, de femmes, où ils se mélangent, le genre qui n'est même plus bon là. Mais le combat que le combat, c'est, vous êtes out. Nous ne pouvons pas continuer comme avant, c'est impossible. Impossible. Désormais, vous allez souffrir que ça se passe en vase clos. Parce que nous ne pouvons plus faire autrement. Quand nous voulons intégrer, nous intégrons des voleurs qui assument. Oui, des Pablo Escobar. Quand nous avons beaucoup de chance, nous démantelons le cambriolage avant. Sinon, on se fait frapper. Parce qu'il y a toujours une partie de nos frères qui pensent être dans le monde des bisounours. Il n'y a pas d'équilibrage dans ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de Suisse. Il n'y a pas de neutralité ici. Ce n'est pas, ah, moi je suis neutre, oh. Ah, moi je veux qu'on me voie bien, oh. Ah, non, mouillé c'est mouillé. Mouillé c'est mouillé. Il n'y a pas de, oh, je publie Wiccan, WC, je publie United. Non. Tu ne peux pas publier United et publier WC dans la mesure où WC, c'est le comment on appelle? C'est le Zeus de ce projet-là. Non, c'est même pas Zeus. Il y a le père de Zeus, c'est, j'oublie même souvent son nom. Celui qui mangeait ses enfants-là. Comment on l'appelle? Et non. Attends, oh non, man. Purée, je vais finir par trouver. Il n'y a pas de faux semblant. Ça va se passer désormais en vase clos. Par contre, les combattants de l'ombre, là, il n'y a plus de, oh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis ça en public? Oh, vous n'avez pas appelé. Avec tout ce que nous avons eu là en fin d'année, comme choc, est-ce que vous savez que nous sommes plus que choqués? Ce que nous vous montrons là, c'est rien. Le choc que nous avons eu cette année-ci, des personnes qui se sont dévoilées, que tu restes comme ça, tu dis massa. C'est avec la personne que j'ai eu à manger à cette table-ci. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Vous êtes à l'abri, ce sont nos vies. Même ceux qui ne se méfiaient pas aujourd'hui. Là, la Chronos, tout à fait. Oh, vraiment, retour fatal. Ah, mauve midi, Chronos. Un père qui mangeait ses propres enfants. Aujourd'hui, là, même ceux qui ne se méfiaient, maintenant nous donnons raison à nos frères qui se sont toujours méfiés. Qui sont dit, nous et moi, me mélange pas. À raison. Tu tends la bouteille, ils boivent pas. À raison. Parce que là, ces 3 derniers mois, quels 3 derniers mois? Décembre, là, ce que nous avons vu, les révélations que nous avons eues en décembre. Massa. Si tu continues, c'est que tu es bête. Si tu continues à tendre les bras comme ça, c'est que tu es bête. Parce que le jour, on va te frapper. Personne ne va pleurer. Parce qu'on t'aura averti plus d'une fois. On t'aura averti plus d'une fois. Huit clos, Solange, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Puisque quand tu as une idée, tu aimais ça, tu viens, tu aimais ça. Tu te dis que tes frères et toi, vous allez construire, vous allez pouvoir faire ensemble. Soit on sabote ton idée, soit on vole carrément le projet, on part avec. Pour faire même quoi au final, finalement? Et vous pensez que nous allons encore remplir comme ça une année supplémentaire, que c'est quoi? Ça va être complètement stupide et bête et tout ce que vous voulez. On ne peut pas continuer comme ça. Désormais, on ampute. C'est que nous aussi, nous voulons passer nos 20 prochaines années dans la lutte contre ce régime-là. Ah non, 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 non. Nous ne pouvons pas. Les jeunes sont arrivés avec une certaine énergie, hein, une autre façon de faire le combat. On avait déjà bien amorcé la chose. Et c'est toujours une partie de ces ancêtres-là qui sont venus nous faire chier.
Et heureusement que nous avons nos aînés qui nous encadrent. Et à jouer tout God. Sinon, ce serait la Bérésina. S'il fallait compter si les troubles faits là, en fin de vie, qui veulent déjà manger la pâtée, pourtant, on n'a même pas encore commencé à tuer le porc. On n'a même pas encore le porc là. Le porc là, à naître, ils veulent y manger la pâtée. Non, la famille. Dans ma sortie aujourd'hui, c'est pour dire aux troubles faits là, que nous allons sauf. Chacun doit faire sa part. Et ils ne comprennent toujours pas que chacun doit faire sa part. On t'a pas dit d'aller surveiller la part du voisin, les gardiens des choses qui ne leur appartiennent pas là. Hein, les gardiens de la révolution appartient à quelqu'un. Tu as amené qui dans le combat pour dire que tu gardes la révolution? C'est quoi cette sorcellerie, plateforme médiatique ou je sais pas quoi? C'est la prostitution ça, mon gars. Aujourd'hui, je suis belle, demain, je suis plus belle. Pourtant, toi et moi, on n'a jamais rien échangé. On vient te dire un certain nombre de conneries. Toi aussi, tu commences à m'insulter. Le lendemain, tu veux me rouler des pelles. C'est la schizophrénie, ça. C'est ce qu'on appelle la schizophrénie. Et beaucoup de combattants sont dans la schizophrénie. Aide-moi à détester. Tu vois des personnes se taper au-dessus du toi-même, tu vois que mon frère, tu lui dis que mon frère, pourquoi vous tapez dessus? Le lendemain, quand on va vouloir te détester, quand la personne va se mettre à te détester, elle va s'allier à la personne qu'elle combattait la seconde. La pure sorcellerie. Et nous qui sommes là toujours au même endroit, là, nous on les regarde, après nous devenons leurs ennemis. Parce que nous ne bougeons pas de l'endroit où nous sommes. On vous a dit que nous sommes venus nous chercher dans le combat. Aujourd'hui tu es rouge, demain tu es jaune, après demain tu es vert. Ah non, nous ne sommes pas le drapeau du 237. Hein? Ah non. Nous n'avons pas bougé. Position initiale. Nous ne nous sommes pas mis à travailler avec X, Y, demain, Z, non. Non. Au début, on travaillait avec tout le monde. Jusqu'au jour où il a fallu se positionner. On dit que, oh, vous voulez vous mettre à tuer un tel. Pourquoi vous tuez un tel? La personne vous a fait quoi? Parce que vous pensez qu'on peut arracher une révolution. Arracher ça à qui? Chacun joue à sa partition. Si ta partition est la meilleure, tu vas même voir le peuple là se tourner. Mais c'est naturel. Si tu as la démarche efficace du moment, un peuple qui souffre, et en plus le peuple camerounais est comme le vent, comme la girouette. Dès que le vent change de direction, tu vois aussi la girouette, vroup. La girouette ne cherche pas à savoir si tu souffles en direction du nord avant. Si tu suis... La direction, c'est la direction du moment. La girouette. Et c'est comme ça que le peuple camerounais, si tu as la bonne démarche dans le combat, c'est à choix to God. S'il y a un autre Camerounais qui fait plus que ce que Calibri, plus que ce que Calibri fait là, vous allez voir la sorcellerie. On va vous aller dire Calibri quelque part. Les Camerounais vont tomber sur vous. Wow, Calibri, c'est qui? Oubliant que Calibri a porté l'histoire là pendant 2 ans. Plus de 2 ans. Eh, achouez tout comme. Essayez. Trouvez une personne qui a une autre démarche. Une meilleure démarche. Non, même pas qu'une meilleure. Une démarche qui maintient le combat éveillé. Eh, achouez tout comme. Calibri. Vous allez dire Calibri, on va vous taper. Que c'est qui Calibri? Les Camerounais vont vous dire que Calibri. Il a même bien fait quoi on a vu. C'est comme ça que le peuple fonctionne. Si vous voulez être au devant, vous menez des actions efficaces. Mais vous ne pouvez pas être là, de gros dormeurs, de gros saboteurs, et vouloir que le peuple laisse la personne qui les garde encore un tout petit peu éveillée. Et c'est ça la sorcellerie. C'est ça. Là. Donc vous qui jouez à ce jeu-là, nous on ampute, on ne veut plus chercher, on ne cherche plus à comprendre. Les non-names là, vous êtes non-names parce que nous sommes la première ligne et nous sommes la chair à canon. Donc si nous tombons, vous allez devenir nous. Oh, n'oubliez jamais ça. Vous êtes non-names parce que nous sommes la chair à canon. Donc si vous êtes prêts à être la chair à canon, nous vous laissons la place. Moi, je veux bien devenir une non-name. Ah oui, nous n'avons plus la paix. Est-ce que vous savez que nous, même dans... Tu vas à Paris comme ça, tu te dis, oh putain, dès que moi j'ouvre ma bouche, on me reconnaît. Avec le masque encore, si j'ai pas de lunettes, je passe inaperçu. Mais dès que j'ouvre ma bouche, ça. Ah, Carrie, comment tu as fait pour me reconnaître? Elle n'aurait pas dû parler. Et vous pensez que c'est facile?
Vous pensez que c'est facile? Tu ne sais même pas si c'est une sardine qui t'a repéré. Et vous pensez que notre cœur, si quand on dit Karine dans la rue, là, tu commences à jubiler parce qu'on t'a reconnu. La première question, c'est est-ce que c'est une sardine ou bien c'est un tontinat bien intentionné? Parce que ça peut mettre un tontinat mal intentionné. Vous voulez être la première ligne. Laissez donc qu'on tue calibre et qu'on tue les max. Et il va falloir les remplacer. Il va falloir les remplacer. Et nous ne sommes déjà pas assez courageux. Hein? Oui, les Camerounais qui... le courage que Max a là. Le courage que fils de planteur a là. Ça groupe à les rues. Donc, good luck. Good luck. Ne protégez pas vos leaders. Hein? Moi, mon rôle, c'est de les protéger. Je ne peux pas voir quelque part où on veut tuer nos leaders là. Je dis que tu es... Et que compte sur quoi, non. D'où mon rôle de bouclier. Hormis l'affection et l'amour que j'ai pour eux, dans le combat, je suis un bouclier. Les tuer que nous comptons sur quoi? Nous comptons sur quoi? Quand une personne a une force de frappe, elle a la force de frappe. 2021, si c'est l'année des actions. Si vous êtes dans le bavardage, si vous voulez tuer Pomba tous les premiers jusqu'au 31, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais désormais là, quand moi les chats, on se voit être amputé, c'est jeté. Amputé, c'est jeté. Le Grand Zero, c'est au 237. Si vous continuez à avoir vos histoires de fesses, naturellement, il faudrait que les Camerounais vous laissent rentrer dans votre japa. Qu'ils vous laissent rentrer dans votre japa. Là-bas, il y a Mlè. Vous voulez être célèbre. C'est là-bas qu'il y a les 5000 vues, non? C'est à Japap City qu'il y a les 5000 vues. Chez nous, il n'y a pas de 5000 vues. Hein? C'est rare. C'est lors des événements qu'on fait des 5000 vues. Donc, si vous voulez être célèbre, c'est avec les autres blogueurs là-bas. Nous, chez nous, ici, on se contente des... Et ça nous convient. Parce que nous sommes convaincus que les 254 qui sont là, ce sont des 254 qui sont constants dans le combat. Donc, quand mon compteur, si ça folle, c'est que je suis dans un dur japa. Et il faut le reconnaître. Quand le compteur, si ça folle, c'est que je suis dans un dur japa. Je suis en train de gifler quelqu'un. Mais sinon, voilà la constance. Donc, à moi le chat, je te répète que le combat, si, est au-dessus de ce que tu peux faire. C'est bon, tu as épuisé ton combo. Il n'y a plus rien là-dedans, tu ne peux plus rien donner. Donc de toi-même, efface-toi. Ce n'est pas parce que tu as les frustrés autour de toi aujourd'hui. Vous irez où? Nulle part. Nous ne sommes pas dans un combat où on mesure l'importance d'un combattant au nombre d'imbéciles qui sont derrière lui. Hein. Ah ouais, un imbécile ne peut que drainer des imbéciles. Donc si vous êtes plus nombreux que nous dans le combat, nous vous donnons les mains. Nous vous donnons les mains, vous êtes plus nombreux que nous. Maintenant, le plus important, c'est que le peu qui pense aux 237 avant leur propre ego soit déterminé. Parce que vous n'êtes pas déterminé. Même dans le machiavélisme, vous n'êtes pas déterminé. Je vous promets que moi, si je décide d'être machiavel, vous allez me donner les mains et les pieds. La tête même aussi. Vous n'êtes même pas déterminé dans ce que vous faites. Et vous n'êtes pas assez intelligent. Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous avez vu combien nous étions face à Franklin Yamsi. Quand je suis sorti, j'étais seul contre. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? J'ai été insulté. Ça dit, on a même dû inventer des choses, des insultes pour moi et des injures. Rien que pour moi. Seul face à Franklin Yamsi. N'est-ce pas, c'était votre baba. Seul face à Franklin Yamsi. Et vous pensez vraiment que vous là, je dois en finir avec vous. Il va en rester quelque chose. J'ai du respect pour le côté intellectuel de Franklin Yamsi. Hein. Même si c'est un petit filou en matière relationnelle, mais on ne peut pas lui enlever le fait que, écoutez, comme prof, c'est quelqu'un qui donne envie d'apprendre. On ne peut pas le lui enlever. Mais sur le plan relationnel, je suis désolé, c'est un gros filou. Et c'est là où il a merdé.
Il a pensé qu'en face, il avait des camois. Non, en face, il n'a pas de camois. Ce n'est pas parce que nous autres, la vie nous a mis un coup. Je ne suis pas bête, hein. Oui, je sais que je ne suis pas bête. Ouais, je sais. J'ai toujours plus été attirée par la technique que par le côté liseuse de livres. Je ne suis pas bête. Donc, quand j'active mes deux neurones qui restent là, mais personne ne m'a vu arriver. Hein. Je fais partie des combattants que personne n'a vu arriver. D'ailleurs, on m'oublie souvent. Parce que je sais me faire oublier. Je vous ai souvent dit que qui sait jouer juste, sait jouer faux. Demandez à Richard Bonnat de vous jouer quelque chose d'une fausseté absolue. Ça va sonner juste dans vos oreilles à vous. Mais une personne qui connaît les notes de musique va dire à Richard Bonnat que Richard Bonnat, pourquoi est-ce que tu me casses les oreilles là? Mais vous allez trouver que ça sonne juste. Qui sait jouer juste? Si tu sais écrire un mot, ben tu peux écrire le contraire de ce qui est juste. Mais par contre, si tu ne sais pas ce qui est juste, ben... Ouais. Il y a un dicton dans ma langue maternelle qui dit que tu sais lire neuf, mais tu ne sais pas l'écrire. Donc, mes frères et sœurs, soit les frustrés du triangle des Bermudes, là, se donnent une gifle et reviennent dans le combat. Le combat appartient à tout le monde. Soit vous vous retrouvez à Japap City. C'est là-bas où on forme les stars de Facebook. Nous autres, nous ne sommes pas des stars. Nous, nous portons les uns les autres. Ça veut dire que tu portes ma charge, je porte ta charge. Et nous aidons nos frères du 237 à comprendre que leur vie n'est pas, comment dire, ce n'est pas une fatalité. Être Camerounais n'est pas une fatalité. Nous pouvons avoir un meilleur pays et nous avons le droit. Nous avons le droit d'avoir une grande nation. Les Occidentaux, là, les Caucasiens, ce ne sont pas des sorciers, c'est juste de la volonté. Mais si vous voulez aussi enlever ça à vos propres frères, parce que c'est ce que vous faites avec votre démarche, c'est enlever soit cette volonté, soit cette envie d'avoir un bel État, d'avoir une belle nation. C'est ce que votre démarche fait et c'est ce que vous faites. Quand vous faites croire à vos frères ce qui n'est pas, quand vous essayez de tuer vous-même en connaissance de cause, essayez de tuer des actions qui sont porteuses, vous vous dites que le résultat c'est quoi? Si ce n'est pas continuer dans ce merdier-là. Voilà là où est le plus gros problème des Camerounais. C'est d'avoir cette capacité de s'auto-détruire. Parce que quand tu détruis une démarche porteuse, tu te détruis toi-même. Puisque c'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. 2021. 80% de la population camerounaise n'a pas d'eau potable. 80. Et les autres 20 là même n'ont pas d'eau tout court. Les autres 20 là n'ont pas d'eau potable. Parce que cette eau n'est pas potable. Cette eau n'est pas potable. L'eau du comment on appelle ça, les forages là et tout. Cette eau là qui passe à qui? Il faut analyser. L'eau est analysée. Il y a une, même ici, l'eau que nous buvons là est analysée. Parce qu'elle peut très vite devenir trouble ou bien... L'eau, c'est toi qui analyse. Les gens là qui creusent leur forage, tout c'est d'avoir de l'eau courante. Terminé. Terminé. Et vous voulez que les Camerounais vivent 60 ans. Entre les amibes, toutes ces maladies qui donnent des ulcères et tout ça. Non, comme moi le chat. Quand tu torpilles un combattant ayant une démarche qui tient un tout petit peu la route, c'est au 237 que tu fais mal. C'est pas à nous autres. Parce que nous tous ici, autant que nous sommes, pour ceux qui disent Kaolo sang, que tu aies des Kaolo ou pas, dans cette société, tu peux t'accrocher. Tu peux t'accrocher. Même si tu es sans Kaolo, tu peux te laver ici tous les jours. Même si tu es sans Kaolo, tu peux te laver tous les jours. Il y a les bains
Il y a les bains, il y a des bains municipaux, il y en a encore à Lyon, je pense qu'il en reste trois. Tu peux être propre. Oui, tu peux manger, il y a la soupe populaire. Tu peux être indigent ici, sans kaolo, sans, tu manges et on te soigne. Mais nos frères du 237 deviennent quoi là dans votre démarche? C'est la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui, 1er janvier. Dans toute cette sorcellerie-là, que deviennent nos frères du 237? Et je ne parle même pas des frères combattants, hein, qui sont dans le combat. De tous ces 99,99% qui sont dans les villages, qui ne sont même pas au courant, qui sont nés dans la misère, et pour eux, la misère, c'est leur condition, c'est comme ça. C'est quelque chose de qu'ils ont accepté. Ils vivent avec, ils attendent leur mort. Qu'est-ce que nos frères là deviennent quand des personnes comme Kamoua le chat pensent pouvoir ébranler moi qui suis Kotorep, hein, et puis déterminer que lui, super valide, hein, Kamoua le chat. Vous savez, hein, le respect ça s'arrache. Le respect s'arrache. Oui. Quand moi, le chat, moi, on m'appelle madame. Là où je travaille, madame Richaud. Toi, ça m'étonnerait qu'on t'appelle monsieur Kamoua. Oui. Le respect s'arrache. Nous sommes devant nos écrans là. Nous faisons comme si ce que nous faisons là reste enfermé dans l'écran. Ça fait le tour du monde. Et la question que je pose souvent à mes frères, est-ce que vos collègues, est-ce que votre entourage vous entend parler? Parce que, à défaut de vous entendre parler vous-même, est-ce que les autres vous entendent? Parce que vous semblez être fier. Hein? Vous semblez être fier de votre bêtise. Car moi c'est là. Pourtant, tu as 30 cm de plus que moi, mais tu me vois trembler en, train de toi, en face de toi. Car moi. Zéro. Tu vois, fils du planteur, là. Petit mais costaud. Oui, je me couche, fils du planteur marche sur moi. La bêtise a des limites. Votre association de malfaiteurs ne peut pas ébranler les hommes déterminés qui sont au-devant de ce combat. Ça, ils ont bravé les éléments. Ces gars ont bravé les éléments. Ont gagné haut à leur droit d'être des êtres humains. Pendant que toi tu étais en train de fourrer ton engin dans n'importe quelle, hein, dans n'importe quelle femelle, ils bravaient les éléments. Donc la détermination qu'ils ont, tu es à 1000 années-lumière de la chose. Tu ne sais pas, ça dit, tu ne peux même pas, hein, tu ne peux même pas reconnaître ce que c'est la détermination. Même si elle venait à passer devant toi, tu ne pourrais même pas la reconnaître. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'as jamais tâté du doigt ce qu'on appelle détermination de toute ta chaîne de vie. Tu n'as jamais eu à porter quelque chose de bout en bout. Tu n'as jamais rien initié tu n'as jamais rien initié de bout en bout. Tu n'as jamais rien créé. Tu n'as jamais bon, c'est naturel, ça faire des enfants. Oh ouais, on a dit allez et multipliez-vous. Donc ça, tout le monde a priori, ça arrive seul. Quand tu t'empales dans une femme, bah, 25% de chance pour qu'elle tombe enceinte. Donc on ne va pas dire que là, tu t'es foulé la cheville. Hein? C'est la nature qui a fait vroup, c'est sorti. Mais je parle de mettre en route un processus. Même si le processus là venait à passer devant toi, venait même à te tamponner. Tu serais incapable de reconnaître en la chose un processus. Donc, à moi le chat, regarde-moi bien droit dans les yeux. Quand je fais une sortie comme ça, ce n'est pas par rapport à ce que tu as dit sur moi. Je m'adresse à toi pour l'ensemble de ta bêtise ou bien ce que tu crois pouvoir obtenir après avoir versé autant de conneries. Hein? C'est pour cela que je sors. C'est pour cela que je sors.
Moi, si là. Moi, si là. Hein? Certains pourraient dire que je viens de loin. Oui, je vous laisse souvent d'ici. Je suis entrée à la ville de Lyon comme femme de ménage et pas n'importe quel endroit. Donc, quand des personnes comme moi ouvrent leur sale WC là, je lave seulement. Je lave seulement. Parce que je me suis retrouvée à cet endroit-là. Si on a. Si à l'époque, on s'était retrouvé dans la résistance, je pense que. Même mes collègues aujourd'hui, d'ailleurs, au boulot, en fin d'année comme ça, quand nous parlons des choses plus légères, nous parlons souvent de talents cachés. Et moi, je reste un mystère pour beaucoup de personnes. Parce que quand on leur dit, Karine sait faire ça, ils me regardent comme ça. Ils me regardent encore. Ils regardent et ils n'en reviennent pas. On dit que, bah oui. Quand tu sais jouer juste, tu sais jouer faux. Qui peut le plus, peut le moins. Mais comme moi, le chat. Et c'est pour cela que je sais reconnaître des personnes qui. Hein, qui jouent du pipeau. Parce que j'ai grandi dans un milieu d'intelligence. Oui, des personnes intelligentes. Et des personnes sages. Donc quand tu commences à. D'ailleurs, il y a une expression dans notre famille. Tu me fais la politique. Chez nous, même l'enfant de 5 ans là est wise. Tu ne fais pas un enfant de 5 ans dans ma famille. Le gars est né avec. Il y a des bandits. Il y a tellement de bandits chez nous que on ne fait qu'on fabrique les bandits. L'enfant sort du ventre, il est yawa. Même le père, il a dit que, toi là, je cherche le service après-vente parce que tu m'as dépassé. Non. Je suis un détecteur de faux jetons. C'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas. Et puis maintenant, vous êtes out. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on continue à vous gérer? Et c'est là, je m'adresse à mes frères, hein, pas qu'à moi. Je m'adresse à mes frères, les non-names là. C'est à vous que je m'adresse. Parce que sur le terrain, on ne voit pas qu'à moi le chat. Miaou. Mais quand c'est pour déclarer sa flamme au président élu, il est le premier de la classe. C'est vous qui vous mettez en danger là, qui allez affronter les gaz et tout. Donc désormais, là, vous devez travailler ensemble, les gars. Nous ne pouvons pas travailler ensemble, c'est comme ça. Sauf si nous voulons passer. Les 30 prochaines années dans le combat, et non, non, nous n'avons pas signé pour ça. Donc, vous devez accepter le fait que les Camerounais ne soient pas mûrs pour travailler ensemble. Donc, ne prenez pas ce qui arrive là aujourd'hui comme la fin du combat. Non, non, il suffit de purger. Un radiateur, quand les saisons changent là. Quand l'hiver arrive à nouveau et que le circuit, tout est bon dans le radiateur ne chauffe pas, on le purge. Ça veut dire qu'il y a trop d'eau on fait sortir cette eau-là. Sinon, ton radiateur ne va pas chauffer. Et nous devons purger. Il y a des troubles faits dans le combat, nous devons purger. Quand une jambe est gangrénée, il faut amputer. Sinon, c'est la septicémie. Ah oui. Si vous ne voulez pas que ce combat s'éteigne, il faut amputer. Je dis ça, je dis rien. Nous pouvons continuer à fonctionner dans ce brouhaha. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. Nous sommes devenus comme des enseignants obligés de dire à nos frères, taisez-vous, silence, taisez-vous, silence. C'est quoi ce fonctionnement de gros enfants? Nous n'allons pas passer le temps à nous retourner et dire, silence, taisez-vous. On ne s'entend pas parler. Silence. Taisez-vous. On ne s'entend pas parler. Non, 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 non. C'est à vous de faire cet équilibre-là. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Il arrivera un moment où nous aussi, nous allons nous écrouler de fatigue. Nous ne pouvons pas être dans une démarche où il y en a qui vous disent que nous avons volé, oh, ah, et vous aussi, vous êtes derrière, vous supportez la chose. Mais vous voulez que ces mêmes personnes qui ont été flouées, hein, demain viennent encore au même endroit.
mettent encore leur énergie, leur argent dans une autre démarche, sans la peur au ventre, la peur d'être flouée à nouveau. Hey, la famille. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, sur ce, quand moi le chat, chara, tu auras beau dire que je couturerai tout ce que tu veux, mais tu es out. La fille au ralenti. Non, non, nous ne sommes pas dans une agence matrimoniale. Personne n'a envie de te sauter. Si tu veux que je sois brute de décoffrage, personne n'a envie de te sauter. Du moins, mes enfants n'ont pas envie de te sauter. Miaou, 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 là, non. Mon fils est un lion, ce n'est pas un chat. Donc quand un chat vient faire miaou, miaou, là, il ne te gère même pas. Il ne te gère même pas une seconde. Tu auras beau dire tout ce que tu veux, même à mince. Tu m'apportes la preuve que mon... Il a flangé, ne serait-ce qu'une seconde dans son esprit perdu. Il a même pu te regarder comme s'il pouvait, ne serait-ce que... Non. Non, c'est une certitude. Donc, cesse de raconter tout et n'importe quoi. Si pour toi, c'était faire tomber mon Maxou et mourir, ben, tu peux die. Tu vas die avant. Verrouillage. Le genre, je vous dis que moi, le verrouillage dans ma Wanda. Le verrou... À mille, je vous dis, à mille années-lumière. Mille années-lumière de vos wara, 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 wara. Et pas petit verrouillage. Il a pris son cœur comme ça. Il a emballé ça dans un papier en or. Il a dit à la fille là que tiens, jette même la clé. Et vraiment la famille. Parce qu'on ne peut pas trop en dire. Hein? On ne peut pas trop en dire. Vraiment. Mais ça me dimanche. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, beaucoup de Camerounais sont méchants. Oui, méchants, méchants, méchants. Tu ne peux pas entrer dans une démarche et vouloir faucher tous les hommes, c'est quoi? Ah, il va falloir que je t'envoie comme cadeau un vibromasseur. L'histoire là, ça doit être fort sur toi. Oui, oui. Il faudrait que j'y pense. Mais quand on sait jouer faux, on joue faux. Moi, je suis une vieille maintenant, donc je repère les petites, comme à l'époque où mes tantes disaient que toi là, hey, tu étais voir un mec. Maintenant, enfin, quand vous traversez là, nous on l'a absolument. Parce que vous êtes convaincus que nous autres là, nous dragons, nous avons dragué ces gars-là, mais nous sommes même l'un gars. Oh, colo, hein? Vous êtes beaucoup sont convaincus là que quand on me voit avec mon Maxou comme ça, on s'est dit que vraiment, c'est sûr que les deux là m'ont appuyé au moins une fois. mon frère me fait plus d'effet que mon Maxou. Mais l'un de l'autre de ça. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Moi, je sais ce que c'est parce que ma mère a eu deux enfants sortis de son ventre, mais j'ai beaucoup de frères. Oui. Et ma mère n'a pas élevé mes frères. Elle s'est même plus investie sur mes frères que sur nous autres là. Est-ce que les enfants jettent les parents? Non. Donc elle aurait pu se permettre de merder avec nous, mais avec mes frères, il était c'est-à-dire inimaginable qu'elle puisse merder. Avec les enfants qu'elle n'a pas mis au monde, ses enfants des frères de lait là. Mais non, elle se devait d'en faire des hommes et des femmes. Mais par contre, ton enfant, tu vois, vous avez vu qu'on centrifuge les liens. Et c'est pour ça, vous ne savez pas ce que c'est. Aimer quelqu'un qui est né d'une autre mère et d'un autre père, vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes toujours dans des calculs, dans des. Vous avez vu la joie qui était. Nous étions quatre, mais la joie de ça. Symbolique. Notre mère a préparé, on a mangé et c'était. On s'est même pété la panse jusqu'à lui dire que pardon, enlève-nous ta nourriture là, on n'en peut plus. Elle nous gavait, mais dès qu'elle m'a, elle nous défaisait même les millions d'euros. Vous voyez le genre d'amour là. Vous demandez encore quoi d'autre? À part un meilleur 237.
Pas de suspicion, pas de. Et comme vous ne connaissez pas ça, vous n'avez pas rencontré ça dans le cadre du combat, vous dites que tout le monde est dans la même démarche que vous. Tout le monde n'est pas dans la même démarche que vous. Et les choses se sont faites naturellement. Nous n'avons rien calculé. Un jour comme ça, on s'est retrouvé qu'on s'entendait, que les liens s'étaient tissés, qu'on s'était rapprochés sans aucun calcul. Et c'est à cause de vous-même, ou grâce à vous, que nous sommes soudés comme nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'à un moment, nous avons dû faire bloc. À un moment, nous avons dû faire bloc. Malgré nous. Pourtant, nous étions partis pour être, pour faire les choses ensemble. Mais à force d'être déçus, à force de risquer X ou X choses, nous sommes tenus la main, nous avons fait bloc. Et c'est bien malheureux. Hein. Ça fait du mal à beaucoup d'entre nous, mais nous avons fini par l'accepter. C'est comme ça. Maintenant, il ne faut même pas nous dire que tel entre, que qui, pardon, le groupe-ci. Eh, il n'y a plus rien d'entre plus ici. Même si c'est ton frère, c'est ta mère, on n'entre plus ici comme ça. Eh, c'est fini, terminé. Et nous avançons. Les bataillons sont formés, chacun à son poste. Et chacun doit jouer à sa partition. C'est papa, c'est pas Kamto lui-même qui l'a dit. Chacun doit jouer à sa partition. Donc, vouloir faire changer la partition de l'autre n'est le devoir de personne. Ça veut dire que si ma partition, tu as l'impression qu'elle n'est pas en accord avec la tienne, ça ne te donne pas le droit de me mettre les bâtons entre les roues. Parce que chaque partition est importante. Chaque partition est... Même que ce soit ceux qui applaudissent, oh, que ce soit les insulteurs, oh, que... mais tu restes là-bas, dans ton coin. Si tu es insulteur public, ça ne doit pas troubler l'action du voisin. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a Japap City et il y a la société où... je sais pas, il y a la ville des insulteurs sur Facebook. Il y a la nation des insulteurs. Tu vas là-bas. Hein? Est-ce que vous nous avez vu nous mélanger? Oh, il n'y a pas de mélange déjà. Mais tu ne peux pas décider d'être insulteur public dans le cadre de la révolution. Tu troubles le voisin. Tu troubles le voisin. Non, c'était mon petit direct du premier jour de l'an 2021. Nous allons sauf que courir. Si vous ne comprenez pas que chacun doit jouer à sa partition et en silence. Et en silence. Pour ceux qui en doutent encore, quand moi, le chat et compagnie sont out. Quand nous parlons de la révolution, les gars ne sont pas dans... Ils étaient dans la résistance et encore... Ils n'ont jamais mis les pieds dans la révolution. Je vous jure sur ma propre tête. Ces gars-là n'ont jamais mis un orteil dans la révolution. Ils ont montré leurs limites. Leur domaine de définition, c'est le bavardage dans le vide. Oui, c'est tuer Pomba tous les lundis. Le ressusciter mardi, tuer mercredi, ressusciter jeudi. Tuer sa femme vendredi, ressuscité, c'est leur job. Leur pas s'arrête là. Le crash, c'est à ce niveau. Terminé. Depuis que nous sommes passés à la révolution, les gars ne sont plus, ils ne sont pas là. Et ils ont, pourtant, les gars maintenant sont... Ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Les femmes par-ci, ils ont formé leur couple dans le combat. Donc maintenant, ils roucoulent plus qu'ils ne combattent. Ils roucoulent leurs choses. Et quand la voisine d'à côté n'est pas là pour roucouler, ils deviennent infectés parce qu'ils sont perdus dans le combat. Ils sont perdus dans le combat. Ils ont pensé que ils ont pensé que nous sommes dans une agence matrimoniale. Ils ont trouvé la voisine d'à côté, là, ils se font miaou, miaou. Il arrive que la voisine d'à côté soit à mille années-lumière, hein, ou bien reparte chez le mari. Ils se retournent comme ça, ils se disent, ah, je suis où là? Ah, je suis dans le combat, ok. Et comme
Ils ont perdu pied. Ils commencent à s'acharner sur ceux qui sont restés dans le combat. Ils commencent à dire comme quoi ce sont des vendus. Ce sont des ceci. Mais mon gars, est-ce que c'est de ma faute si tu as été harponné par... comment on appelle celui-là? Le dieu de l'amour, là. Hein? Cupidon. Cupidon et le combat ne font pas bon ménage. Si maintenant nous avons beaucoup de couples, accélérons le processus pour que le combat finisse et qu'on roucoule. On ne peut pas et combattre et roucouler. Vous avez vu ça où? Sur un champ de bataille, il y a même moyen de faire caca boum boum. Dans ça, vous avez vu ça où? Vous savez parce que c'est virtuel. Hein? Ce n'est pas. C'est virtuel parce que nous communiquons via. Mais sur le terrain, mon gars, vous avez vu ça où? Vous avez entendu dire que pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième, les gars là, il y avait des bébés qui étaient sortis du combat sur le temps sans champ de bataille. Hein? Les gars ont commencé un peu à tchouk-tchouk là, oui, ceux qui désertaient, qui fuyaient, qui passaient de vie. Mais et dans le cadre du combat là, et puis ils ne sont pas tous devenus homo parce que c'était unisexe. Et s'ils sont devenus homosexuels? Mais vous êtes là dans le combat. Hein? Vous arrivez là, la fleur au fusil. Hein? Vous prenez votre quéquette là. Vous commencez à jouer au trémolo avec comme ça. Et le triangle des bermudes. On voit seulement les filles là-bas. Vroom, le triangle des bermudes fait zzzup. Chez les hommes aussi. Zzzup. Quand les deux là se rencontrent, boum, ils se retrouvent au Mali, au Sénégal. Ah, ça veut tout. Et quand ils finissent de roucouler là-bas, ils reviennent. Où est le combat? Où est le combat? Où est le combat? Le combat, ils sont perdus. Et ils deviennent vilains. Mais c'est là où ils se mettent à dire que, oh, les vendus. Oh, ils ont vendu le combat. Oh, on les paye. Oh, on les paye. C'est nous qui sommes allés recouler au Mali. C'est nous qui allons recouler au Sénégal. Oh, maman. Sorcellerie de haut vol. Donc, laissez-nous ça. Désormais là, moi vous ai dit, je suis à mon poste. Oui, oui, oui. Je suis la mère fouettade, ni à Wokfaoulun. À Koro, c'est ça. Je sors d'un voyage, je suis fatiguée, j'ai trop mangé, regardez le bide que j'ai même. J'ai explosé mon ventre chez ma mère là-bas. Mais je dois me reposer, je vais me mettre un film sur lequel il va carrément non. Bonne, meilleure année. Office du 237, oui, meilleure année. Et... on retrouve ça, sauf que les manches, hein? Parce que 2020 n'était pas 2019 et 2021 ne sera pas 2020. Ceux qui ont trouvé chaussures à leurs pieds, à savoir triangle des Bermudes assorti, poussez-vous. Poussez-vous. Ne venez pas mourir entre nos mains là. Ne nous rendez pas responsables de certains divorces. Allez gérer ça là-bas avec les conjoints des uns et des autres. Le combat, ce n'est pas une agence matrimoniale. Le combat, il n'y a pas de bœuf. Hein? Les adeptes de la fumette là. Nous n'avons pas de champ de marijuana. Nous ne sommes pas les FARC. La coca noire. Nous ne sommes pas en Afghanistan là avec... Non. Nous ici, notre part de combat, s'il ne produit aucune substance illicite. Donc, les adeptes Non. Poussez-vous. Poussez-vous. Par contre, vous avez le droit de vous désintoxiquer. Vous avez le droit de ne plus envier la femme et le mari du voisin ou de la voisine. Vous avez le droit de vous désintoxiquer et revenir dans le combat. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas vous shooter, vous bourrer la gueule. Et vous sauter dessus comme... je ne sais pas. Hein? Comme comment on appelle ce genre de personnes là, les personnes qui sont accro au sexe là, comment on les appelle, les mi, non, chez la femme on dit que tu es une quoi, je vais trouver, mais sinon je suis sûr que retour fatal va me trouver ça là, retour fatal va me trouver, comment est-ce qu'on qualifie ces femmes de mi, c'est mi quelque chose, mi, les accros au sexe là, les femmes, les personnes qui sont jamais satisfaites du grimpage au rideau là. Pas les bonobos, les nymphos, je n'ai pas dit,
Si ce n'est pas cancre illettré, c'est retour fatal. Ninfo. Nous sommes complémentaires dans l'affaire. Si vous êtes mon cerveau, mais vous ne savez pas. Ninfo. Oui. On ne mélange pas tout ça dans le combat. Donc, les alcooliques, les drogués, les ninfos, pardon. Nous avons eu 2 ans. Vous avez formé vos couples là-bas. Poussez-vous. Poussez-vous. Nous, nous sommes unisexes dans ce combat. Nous sommes unisexes. Ceux qui sont venus chercher bâton, trou haut à leurs pieds. Non, 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 non. Non, non, non. Allez, la famille. Nous allons finir en musique. Demain, c'est dimanche. Il n'y a pas de matinale. Non, non, non. Non, demain, c'est samedi. Ah mince, demain c'est samedi. Oh, crotte de bique, crotte de mouton. Bah ouais, bah écoutez, si je suis trop fatiguée, il n'y aura pas de matinale. Allez, Valsero. Ils ne savent pas. Mais papa Valsero, tu as disparu. Hein? Oh mon Dieu. Ça fait longtemps que j'ai pas allumé ça. Mes fils sont passés par YouTube, du coup. J'ai des choses bizarres qui s'affichent là. Hein? Communauté des biens. Communauté. Ah oui! Negro et beau. Donnie Elwood, tous les droits réservés à. Bah, il devrait enlever 2-3 paroles. Hein? Il faudrait qu'il remasterise. Il faudrait qu'il enlève le nom de Pomba. De tous ces de toutes ces personnes qui donnent mal à la tête aux Africains, à leurs frères africains. Tous les droits réservés à Donnie Elwood. Bonne nuit les petits. Bonne. C'est ATV Kounou. Zabaladio a dit, vous avez vu, ceux qui étaient, vous avez vu CRTV Ekounou, n'est-ce pas, devenu Centre Jameau, devenu Centre, anciennement CRTV, devenu Centre Jameau, ouais, vraiment. Qui doit répondre aux questions, non? Hein, Bandi? Question, moi je suis fatiguée, je vais aller dormir, moi ma chose. Je vais mettre un film qui va me baisser. Allez, coupé. Je suis revenue au bercail. Ouais, ça fait bizarre. Quand tu as l'extérieur, là, tu décompresses. Et quand tu reviens au bercail, là, tu regardes comme ça, tu vois tes deux jeunes adultes, là, tu dis, Kai, voilà, et tu as vu te barrer en courant. Tu arrives, on est censé avoir fait les courses et tu regardes ton frigo, il n'y a pas à manger dedans. Tu dis, hé, qu'est-ce que j'étais bien dans mon petit bunker là-bas. La vie, hein. La vie était un combat. La vie était un combat. Regardez la tranche que j'ai, la famille. Vous avez la tête que j'ai. Bonne nuit, les petits. Allez, faites de doux rêves. Jusqu'à la gare.